لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال سل فقلت أسأل مرافقتك أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك فقال أعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم سي حديث دو بروفيس صلى الله عليه وسلم إدين جراند بورتي سي ان كومبانيون كي سابيل ربيعة كي باسي سي نوي كي باسي دي نوي دي نوي auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de le servir. Il apporte pour lui l'eau pour l'ablution et d'autres besoins. Le messager d'Allah, en constatant que cette personne s'est consacrée entièrement à son service, il lui demanda « Demande-moi une chose que je te donne. » C'est sahabi. La réponse fit « Je demande d'être ton compagnon au paradis. » Le messager d'Allah lui a dit « As-tu d'autres choses ?» Il dit « Non, je n'ai que cela. Tout ce que je demande, d'être ton compagnon au paradis. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Aide-moi donc en multipliant la prosternation, c'est-à-dire la prière. » Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou cette réponse de ce sahabi doit être une bonne leçon pour nous que notre objectif dans ce bas monde ne doit être que le paradis. Ne doit pas être vraiment le bien de ce bas monde, ni l'argent, ni le pouvoir. Car l'argent et le pouvoir, sans le paradis, ne sert à rien. Et Dieu le Très-Haut nous parle de ça dans Sourate Al-Haq, quand il dit « Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqul ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya » يا ليتها كانت القادية ما أغنى عني مالية حلك عني سلطانية. Il dit quant à celui à qui on leur a remis le livre à sa main gauche, il dira hé là pour moi, j'aurais aimé qu'on ne m'ait pas remis le livre et de ne pas avoir connu mon compte, et j'aurais préféré que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien et mon autorité m'a quitté et est anéantie. Il est rapporté qu'un mouridi un jour était auprès d'un souverain très puissant à leur époque. Il avait dans sa main un verre d'eau qu'il était prêt à boire. Il dit au croyant, le commandant des croyants, si on te privait un jour de ce verre d'eau, qu'est-ce que tu serais prêt vraiment à donner pour l'acheter? Il dit, je donnerais la moitié de mon autorité, de ma royauté. Il l'a bu. Après avoir bu, il lui demanda encore, si tu te trouves
Supposons que tu te trouves dans l'impossibilité de l'évacuer. Qu'est-ce que tu serais prêt à donner pour vraiment pouvoir l'évacuer? Il dit, je donnerai l'autre moitié. Il dit, un pouvoir, une royauté qui ne vaut pas un verre d'eau, qui est surpassé par une urinée, elle n'est pas digne de rivalité. N'est pas digne de rivalité. Cela nous dit vraiment que notre objectif doit être l'au-delà. Car ce bas monde, Dieu le Très-Haut nous qualifie la vie de ce bas monde. On ne vit pas de ce bas monde pour ce bas monde. On vit dans ce bas monde pour l'au-delà. Ceux qui ont compris ça, ils ont compris la vraie nature de ce bas monde. Car jamais on peut retrouver le bonheur dans ce bas monde. Dieu le Très-Haut dit « La uqsim bihad al-balad wa anta hillum bihad al-balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqna l'insana fi kabad » Nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. Courtoubi, en interprétant ce verset coranique, il dit que l'homme, Dieu l'a créé pour une vie d'épreuve et de fatigue. Ça, dès la naissance jusqu'à sa mort. On sait très bien comment le fœtus est dans le ventre de sa mère, comment il vit pour trouver son chemin vers ce monde, comment les choses se font. C'est très délicat. Et une fois venu, on coupe aussi le cordon ombilical. Et après ça, c'est l'allaitement, souffrance sur souffrance. Il apprend comment marcher, il apprend comment parler. Le sevrage vient, c'est aussi plus difficile que les autres. Et aussi, apprendre à l'école, apprendre. Et il arrive à un moment, il faut qu'il se marie, il faut qu'il se trouve une maison. Il prend la responsabilité des enfants. La vieillesse vient avec sa maladie. Il vient alors encore la mort, sakratul maut, qui a été très difficile, pénible. Vient alors l'interrogation dans la tombe, et Yom al-Hashr, le jour de la résurrection, avec ses frères qui s'en suit. C'est seulement quand il mettra son pied dans le paradis qu'il retrouvera le bonheur. C'est pour cela que notre souci majeur ne doit être que le paradis. Dès le Très-Haut dit, « Jannat adin yadkhulunaha yuhallawna fiha » من أصابر من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب أنت ميديت سبيرس القراني c'est en ce moment que le croyant peut dire va faire ouf de soulagement, dire Alhamdulillah, nous avons louange à Allah qui nous a écarté l'affliction, louange à Allah qui nous a fait habiter une demeure de stabilité. Cette demeure de stabilité, tu ne trouveras que dans le paradis. Et c'est très important. C'est pour cela que ces sahabis ont compris la vraie nature de ce bas monde. Il n'a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le paradis. Il n'avait pas demandé ni l'argent, ni pouvoir. C'est très important. Car quand on regarde la nature du feu de l'enfer, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, narukun juzu'un min sab'ina min nari jahannam. Votre feu est une 70e fraction du feu de l'enfer. Et dans le feu de l'enfer, l'air vit aussi. Quand tu regardes, وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط به سرادقها إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. Quand tu demanderas l'eau à boire, on les abreuvera d'un eau comme du métal qui brille le visage. Et il demandera à Allah de les alléger. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون quand tu médites cette réponse, ces gens ils vont demander à Allah de les alléger, car c'est leur mécréance, le destin qui les ont vaincu. Il demandera alors à Allah de les alléger, de les faire sortir. Et s'ils récidivent, ils seront alors des injustes. Allah leur répondra quoi? Sois refoulé, ne me parle plus. Les savants religieux disent que le temps qui a écoulé
entre leur demande et la réponse d'Allah est équivalent à la durée de ce bas monde. Imaginez-vous. Donc les Sahaba, ils croient en Arhaq, qui est bien Arhaq. Ils croient et ils connaissent la réalité de ceci. C'est pour cela qu'ils ont demandé au professeur, ils ont demandé au professeur sallallahu alayhi wa sallam que Al-Jannah. Et ils vont demander encore. Wa qala alladhina fi an-nar li ghadan jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab. Ils vont demander que Allah les allège un seul jour de souffrance du feu de l'enfer. Non, on ne va pas les accorder. C'est pour cela, pose-toi cette question. Si on te donnait cette opportunité, que tu te trouvais au devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui te pose cette question, demande que je te donne, que demanderas-tu? Est-ce que demanderas-tu l'argent, le pouvoir, ou vas-tu demander le paradis? Ou tu seras comme le dit le Coran, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Vous préférerez plutôt ce bas monde. Et El Savary, j'ai dit, en interprétant ce verset coranique, le kanat ad-dunya min zahabin yafna wal akhirat min qadhafin yabqa, la kan al-wajib an yu'thara khadhafun yabqa ala zahabin yafna, fa kayf an ad-dunya aqall min khadhaf yafna wal akhirat akthar min zahabin yabqa. Il dit, si ce bas monde était de l'or éphémère, et l'au-delà était une argile éternelle, le Dieu d'intelligence choisirait certes l'argile éternelle à l'or éphémère, car tôt ou tard il va vraiment être dépossédé de cela. Alors que ce bas monde est moyen que l'argile, et l'au-delà est meilleur que l'or éternel. Donc c'est très important que notre souci majeur doit être vraiment l'au-delà, doit être le paradis. Si tu n'as pas eu cette opportunité d'être devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il te pose cette question, Dieu t'a donné une autre opportunité qui est aussi d'une grande valeur, qui est Ramadan. Ramadan, c'est un mois de miséricorde, de la miséricorde, un mois de pardon, durant lequel, le seul mois à cause duquel Dieu non seulement il ferme toutes les portes de l'enfer, il enchaîne toutes les forces du mal et il ouvre grandement les portes du paradis, et il affranchit un grand nombre de croyants du feu de l'enfer chaque nuit durant toute la durée du mois de Ramadan, comme l'indique ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, an Abi Hurayra radiyallahu anhu qal idha kanat awwal laylatin min shahr Ramadan سفلت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار ولم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنان ولم يغلق منها باب ونادى منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك في كل ليلة ذلك في كل ليلة سهلت بركة صلى الله عليه وسلم الدين dès la première nuit du Ramadan, Dieu enchaîne tout le démon Iblis et tous les diables rebelles. Il ferme toutes les portes, hermétiquement, toutes les portes de l'enfer, et il ouvre toutes les portes du paradis. Aucune d'entre elles ne sera fermée. Quant au paradis, l'enfer, aucune d'entre elles ne sera ouverte. Il y a un crieur qui crie. Toi qui veux faire le bien, avance. Toi qui veux faire le mal, recule. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est vraiment, il faut saisir cette opportunité. Et Dieu a franchi un grand nombre de gens du feu de l'enfer, et cela chaque nuit durant toute la durée du mois de Ramadan. Très chers frères et sœurs, à qui on a donné cette occasion? Comment vraiment peut dormir de ne pas saisir cette occasion? C'est pour cela, l'un des savants religieux dit, Lama ara mithla al-janna nama talibuha wa lam ara misla nari nama haribuha. Il dit, je n'ai pas vu quelque chose de plus étonnante que celui qui prétend de fuir de faire l'enfer, mais il dort. Et je n'ai pas vu aussi plus étonnant que celui qui prétend qu'il cherche le paradis et il dort. On se demande comment le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, man khafa adlaja
ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. Il dit quiconque a peur de ne pas arriver à bon port part de bonheur. Il part de bonheur. Quiconque part de bonheur arrive à temps en sécurité. La marchandise Allah est très chère. La marchandise Allah est très chère. Et cette marchandise, c'est le paradis. C'est le paradis. C'est pour cela qu'on se demande comment une personne peut dormir durant ce mois, de ne pas saisir cette occasion. Quand on dit que ce mois de Ramadan, que Dieu ferme les portes de l'enfer, il ouvre celle du paradis, c'est que durant ce mois, on a le jeûne. Quand on regarde la nature du paradis et de l'enfer, et la nature humaine et le jeûne, on comprendra pourquoi ce mois de Ramadan est spécial. Car, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Lamma khalaqa Allahul Jannah » قال لجبريل اذهب وانظر اليها فلما ذهب فنظر اليها قال فبإذتك لا يسمع بها احد الا ودخلها ثم امر فهفت بالمكاره فقال اذا وانظر اليها فلما ذهب ونظر اليها قال بإذتك لقد خشيت ان لا يدخلها احد ثم لما قلق النار قال لجبريل اذهب وانظر اليها فذهب ونظر اليها فقال بإذتك لا يسمع بها أحد فيدخلها ثم أمر فهفت من شهوات فقال اذهب وانظر إليها فلما ذهب ونظر إليها فقال بإذتك أخشى أن لا ينجو منها أحد والعياذ بالله. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous dit la nature. Quand le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que dès le début, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées, les satans enchaînés. C'est pas seulement Satan qui est enchaîné aussi, mais le Satan de l'être humain, le diable de l'être humain, de l'âme de l'être humain aussi est enchaîné. Pourquoi? Par le gêne. Pourquoi? Le paradis, quand Dieu cria le paradis, c'est qu'il a mis là comme jouissance. Quand il a ordonné Jibril d'aller y regarder, quand il est revenu, il dit par ta gloire, personne n'entendra parler sans vouloir y entrer, à cause de ce que Allah a préparé pour ses habitants. Il demanda alors qu'il soit entouré par des choses que l'âme, l'être humain déteste. Quand il est parti cette fois-ci, il dit, par ta gloire, j'ai peur que personne n'y entre. Et le contraire pour l'enfer, quand il a demandé, regardez la première fois, il dit, personne n'entendra parler et vouloir y entrer. Quand il a ordonné qu'on lui fait entourer par des choses que l'âme aime, Jibril est parti pour cette fois-ci, il dit, j'ai peur que personne n'y échappe. Et d'un autre côté, Dieu est très haut. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lamma khalaqa Allahu Adama, tarakahu fil jannah, ma sha'a yatrukahu waja, wa kana iblis yutifu bihi, falamma ra'ahu ajwaf, arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalak. Quand Dieu créa l'être humain, Adam, il le mit au paradis, et Iblis venait tournoyer autour de lui. Quand il a vu qu'il est creux de l'intérieur, il a su que c'est une créature qui ne peut pas se contenir. Nous avons une créature qui ne peut pas se contenir, nous avons un paradis qu'il faut vraiment dominer son ego pour y rentrer. Et l'enfer, que quiconque ne domine pas son ego, sa passion, ses émotions, va y rentrer. Et vous avez un être humain qui a la difficulté de le faire. C'est pour cela quand on dit « Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun » afin que vous vous protégez du feu de l'enfer, afin que vous vous protégez de la colère d'Allah, afin que vous protégez de feu de l'enfer. Et cela, ça se fait par le jeûne, car le jeûne nous aide vraiment à cette autodiscipline. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, أكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى الله وحسن الخلق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفر الله وغفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. The summary what we said, we mentioned one hadith of Messenger of Allah. Rabi'a said that I used to stay overnight with the Messenger of Allah in order to serve him, brought him water for his wudu. One day he said to me, ask, I will give it to you. Ask anything that you want, I will give it to you. This Sahaba, what was his response? He said, I want to be your companion. I want to be your companion in paradise. In this hadith, this Sahaba never asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam for anything about this world, but he asked the paradise.
And we found that this Ramadan, alhamdulillah, is a month of peace, is a month of mercy, is a month of pardon, is a month of forgiveness, is a month of paradise. Why is a month of paradise? Because the fasting is a shield that a human being will protect himself, the believer will protect himself against the devil to paradise. He will protect himself against the fire. This is very important, that our aim should be to seek paradise. You only can seek it, as he said in another hadith, that when Allah created heaven, he made it surrounded by the things that the soul dislike. When he created the hell, he made it surrounded by the things that the soul likes. And human being, when he created, he put it in the paradise. The devil come around it and figure out what he was. Once he saw it is empty inside, he realized that this cannot control his tendency, his lower tendency. You have a creature that cannot control his lower tendency. You have a paradise, you have to dominate yourself. You have to get self-restraint in order to enter here. That's a problem we have really. Allah has given us the fasting, has a prescription that a human being can control his conduct in order to enter paradise and be saved from hellfire. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفرون غفور رحيم الحمد لله رب العالمين إن شاء الله aujourd'hui nous avons notre cher qui va faire dars ça sera sur le comportement c'est-à-dire les droits des parents sur les enfants c'est très important dans le pays dans lequel nous vivons nous encourageons de venir tout إن شاء الله nous allons commencer à faire le 10h20 afin de donner 30 minutes إن شاء الله minimum 30 minutes d'élaborer ce sujet qui est très important pour aider nos enfants vraiment à être bienfaisants envers leurs parents et qu'ils soient aussi la joie de nous. Nous avons des frères qui ont perdu leurs parents. Nous prions qu'Allah les accorde le paradis. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya mawlana tawwab rahim. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawl wa amal. Na'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawl wa amal. Allahumma inna na'udhu bika min su'il munqalib fil ahli wal mal wan nafs. Allahumma inna na'udhu bika من ذوال نعمتك ومن تحول آفاتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الرحيم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله نذنبهم باسيلا قبلكم إن شاء الله وجودنا يتم بلون يوم بايسي إن شاء الله